Bonjour et bienvenue dans votre agenda, découvrons ensemble les événements sélectionnés pour vous par KTO. À Strasbourg, le samedi 8 février de 14h30 à 17h à la maison Saint-Pierre, 27 rue des Juifs, une rencontre Le Veuvage, un autre chemin de vie, vous est proposée par la pastorale familiale. Un temps d'échange, d'approfondissement, de célébration. L'entrée est libre, mais l'inscription est souhaitée par mail à pastoraldesfamilles@diocese-alsace.fr ou au 03 88 21 29 95. Les 8 et 9 février, à l'abbaye de Landévennec dans le Finistère, une récollection « Quel chemin de vie avec le Christ malgré une séparation ou un divorce » se tiendra avec la communion Notre-Dame de l'Alliance. Pour plus d'informations, vous pouvez joindre Nathalie Fournier au 06 81 01 22 03 ou Sabine Vélez au 06 25 80 53 38. En Côte d'Ivoire, du 14 au 16 février pour la Saint-Valentin, une session de retraite Efata est organisée par la communauté de l'Emmanuel en Côte d'Ivoire. Un week-end pour redécouvrir l'amour avec pour thème le Christ et notre vie amoureuse. La retraite se déroulera du vendredi à 17h au dimanche à 14h au centre Sainte-Thérèse de Bingerville. Pour toute question, vous pouvez appeler au 09 02 99 60 ou envoyer un mail à secrétariatmassy@gmail.com. Le 14 février, dans le Gard, toujours à l'occasion de la Saint-Valentin, plusieurs mouvements et associations de la pastorale familiale s'associent pour proposer la Saint-Valentin autrement à l'hôtel Le Mât des Ponts d'Arles à Fourques. Une soirée en tête-à-tête pour faire grandir votre amour et offrir du temps à son couple marié ou non. Pour en savoir davantage ou informer de votre présence, vous pouvez écrire un mail à l'adresse saintvalentinautrement@gmail.com ou téléphoner au 06 12 77 34 73. C'est la fin de cet agenda. Rappelons que si vous souhaitez nous faire connaître un événement, vous pouvez nous joindre par mail à l'adresse agenda@kteotv.com ou par courrier à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Quittons-nous en musique avec un extrait de la symphonie numéro 39 de Mozart. Le morceau, interprété par l'ensemble Résonance sous la direction de Riccardo Minasi, est tiré de l'album Mozart Symphonie numéro 39-40-41, paru chez Harmonia Mundi. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée.